Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Éric Bernard, en direct de Ferney-Voltaire, une petite commune de l'Ain. Je suis ici car un conseiller municipal fait parler de lui dans les médias aujourd'hui, puisqu'il demande la mise en place de tests d'alcoolémie systématiques avant la tenue du conseil municipal. Monsieur, vous êtes habitant de Ferney-Voltaire, que pensez-vous de cette décision ? J'en pense, eh ben, que c'est un enculé, hein. Attends, tout. Pierrot, je dirais pas qui tu es, tu vois. Je suis pas un enfoiré, je garderai ton ammonina. Mais t'es un enculé, là. On sait très bien n'importe comment que ta grand-mère, elle a couché avec les boches, alors. Attends, monsieur, il boit du banga, hein. Alors, il faudrait que tout le monde ait une idée. Oh, attends, ça se passe très bien, le conseil de la municipale. Bonne ambiance, il s'est enculé, là. Il va nous faire chier avec son Canada Dry, là. Non, mais... Attention. Quelqu'un peut appeler les pompiers. Les pompiers. Oui, et des hommes grenouilles. Non, parce qu'il est tombé dans le bassin. Non, craché. Non, c'est les poissons rouges, ça se mange pas. Non, craché. Bon. Non. À vous les studios. Non, craché. Non, ça c'est une tortue. Non, non. Bon.